Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, notre Seigneur est grand, grand, vraiment grand. Je rends grâce à Dieu ce soir parce qu'il a fait un grand miracle dans ma vie. Et la grâce du Seigneur m'a aussi localisé à travers l'émission Kangoka. Oh Seigneur, sois béni. En effet, depuis 2018, je voulais me faire vacciner contre l'hépatite B. Et je me suis rendu à l'hôpital. Malheureusement, les tests de l'hépatite étaient d'abord positifs. Donc, je ne pouvais plus me faire vacciner contre la maladie. Et c'est ainsi que pendant toutes ces années, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, jusqu'à l'année passée, je continue pas à faire les tests, mais c'était toujours positif. Et l'émission Kangoka, ces derniers moments, quand j'écoute les prières de l'homme de Dieu, Christ, je baille à tout moment. Les émissions, les prières sur YouTube, les émissions de samedi, je baille seulement, je baille profondément. Je me disais que le Seigneur est à l'œuvre dans ma vie. C'est ainsi que, ce jeudi, bon, je n'ai jamais suivi une émission en direct sur YouTube. Et en voulant me coucher, je voulais voir un peu YouTube avant d'aller me coucher. J'ai vu Kangoka et j'ai suivi la prière. Le programme c'était de dormir, mais j'ai suivi la prière là. Et la prière continuait, mais moi j'étais fatigué, je suis parti me coucher. Là, les hépatites, la guérison des hépatites était mentionnée plus de, bon, environ 7 fois dans la prière. Je disais amen, je reçois, amen, je reçois. Ce jeudi était le 27 et le 28 était la journée mondiale des hépatites. J'étais parti faire mon test. Là, je viens de prendre le résultat et imaginez, bien aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Ma joie est grande, je ne sais comment l'exprimer. Que le Seigneur soit béni et que tout le monde soit fortifié parce que moi je suis guéri. Le test est négatif. Hépatite B. Hépatite C, en même temps, tout est négatif. Je rends grâce au Seigneur. Seigneur, sois béni. Bénis l'équipe Kangoka. Bénis tous ceux qui prient, tous ceux qui soutiennent. Oh, je ne sais plus quoi dire. Seigneur, sois loué, sois exalté. Continue de guérir, de faire tes miracles. Nous sommes vraiment en joie. Gloire à toi, Seigneur. Shalom, je témoigne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis vraiment dans la joie lorsque j'ai reçu le duo de Kangoka. Quand j'avais commencé à écouter les témoignages dans l'émission de Kangoka, j'ai commencé à manifester. Je suis une femme de 40 ans. J'ai vécu avec l'hépatite B depuis 13 ans. J'ai essayé par tous les médicaments, ça n'a pas marché. Mais Dieu m'a visité par l'intermédiaire de cet audio, des témoignages et des prières, des enseignements, des Kangoka que je suivais. J'ai fait l'examen, était négatif. Le Seigneur m'a délivré encore des maris de nuit, des femmes de nuit, des couches de nuit, chaque nuit. Le Seigneur m'a délivré. J'ai vu dans des visions claires, ils ont dit, tu nous envoies le four, on s'en va. J'ai vu, ils ont arrangé leurs valises, ils ont pris leurs valises, ils ont pris le départ, ils sont partis. Et depuis ce jour, je ne revois plus les couches de nuit, grâce à la prière de Kangoka. J'avais des démangeaisons dans le dos, des tensions. J'ai revérifié, les tensions sont normales. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que Kangoka a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Kangoka m'a délivré de l'esprit dirigé. Partout là où je vais, personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Je suis rejeté partout. Je suis abandonné partout. Mais Dieu a enlevé cette mauvaise étiquette sur moi. Des cauchemars, des serpents. Lorsque j'avais vu l'un des vidéos dans l'archive, des prières, j'ai
prier l'homme de Dieu, dit voilà une femme qui fait trop de cauchemars avec le serpent. J'ai dit je reçois ma part. Seigneur, tu m'as visité, je reçois depuis ce jour, je ne fais plus de cauchemars avec des serpents. Donc, je dois prendre mon temps. Pour tout témoigner, ça va me prendre du temps. J'aurai le temps de revenir prochainement, témoigner encore tout ce que Dieu a fait de merveilleux dans ma vie. Dieu a beaucoup fait. Je ne cesserai de glorifier son nom et de continuer à témoigner sa grandeur. Kanguka m'a délivré de beaucoup de choses. Ma santé est restaurée. La douleur du pied, la douleur du dos, la douleur lombaire, tout est parti. La douleur thoracique, tout est parti. La douleur au niveau du foie, tout est parti. Lorsque chaque fois j'écoutais la prière, les audios de Kanguka, j'ai manifesté des vomissements. J'ai manifesté par des crachats. J'ai manifesté par des diarrhées intenses. C'était ma délivrance. Tout est parti. Le Seigneur m'a visité, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a restauré. Je bénis son nom, je bénis sa grandeur. J'ai dit merci à l'équipe de Kanguka. Merci à ceux qui témoignent. Et je demande à ce que chaque frère, chaque sœur qui vit dans des situations difficiles, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas la prière de Kanguka. Persévérez. Ce Dieu est un Dieu vivant. S'il l'a fait avec moi, je sais qu'il fera avec toi, mon frère, ma sœur. Continue à persévérer. Ton temps de gloire viendra. Ton temps de visitation viendra. Tu seras guéri. Tu seras restauré. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras parce que c'est Dieu. Je sais qu'il a fait pour moi. Il fera pour toi. Je demande pardon à Dieu de ce que j'ai pas pu témoigner à temps. Témoigner pour que ce témoignage sauve une vie. C'est parce qu'on a écouté, c'est pourquoi on est guéri. C'est parce qu'on a écouté, c'est pourquoi on est restauré. Bien-aimé, si Dieu a fait dans ta vie, témoigne sa grandeur. Témoigne sa grandeur pour que celui qui soit dans le besoin, celui qui va écouter, reçoit aussi sa guérison, reçoit aussi sa part de délivrance. C'est dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis du Congo Brazzaville. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par mon mari. Grâce à Kanguka, j'ai été guérie de plusieurs maux. La première, par un don de sang, j'ai été détectée à l'hépatite B. On m'a orientée vers le CHU. Mais le docteur me dit que c'est une maladie à vie. La maladie n'a pas de traitement. C'est comme ça. On ne peut pas guérir de l'hépatite B. J'étais vraiment très dessus. Très dessus. Quand j'étais seule, ça me faisait vraiment mal au cœur. Une maladie qui ne finit pas. Comment est-ce que je vais vivre avec ça? Mais Dieu est bon. En 2021, je vais à l'hôpital, je fais encore les examens. On me dit que je n'ai plus cette maladie-là dans mon sang. Donc, je n'ai pas pris de traitement, mais j'ai été guérie. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. L'autre témoignage, j'avais les maux de tête bizarres. Je dormais pas la nuit. J'étais insomnie, je faisais des insomnies bizarres. Donc, pour dormir, c'était un problème. J'ai passé des nuits comme ça. Il y a des jours où même je faisais le nettoyage de la maison la nuit parce que je n'avais pas sommeil. Mais grâce à Kanguka, j'ai été guérie de l'insomnie. Dieu m'a guérie de cette insomnie-là. Maintenant là, je dors paisiblement. Avant la journée, je ne pouvais pas me reposer, de peur que la nuit, je sois toujours éveillée. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses. J'avais aussi ce problème-là de mal des yeux. Je portais les lunettes. Je ne pouvais pas sortir sans lunettes. Je ne pouvais pas regarder le soleil. Je ne pouvais pas marcher sous le soleil. Donc, quand je sortais, je devais mettre mes lunettes. Même devant ma porte, je dois mettre les lunettes. Sans lunettes, vraiment, c'était compliqué pour moi.
mais par la prédication du silence de Dieu. J'ai fini d'écouter la prédication. Pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, « Toi qui portes tes lunettes, laisse les lunettes, mets tes mains sur les yeux, tu es guéri au nom de Jésus. » Moi aussi, par la foi, j'ai laissé les lunettes. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus de problème avec mes yeux. Je marche sur le soleil, je fixe le soleil. J'ai été guéri. Dieu m'a encore guéri d'un mal de hanche. Je ne pouvais pas m'asseoir et me mettre debout correctement, directement. Quand je me mets debout, ma hanche se bloque. C'est comme s'il y avait du fer dedans ou un clou dedans. Donc quand ça se bloque, je me mets à boitiller, au moins 2 à 3 minutes, et puis c'est normal. Ça revient à la normale. Mais ça faisait très mal quand ça se bloquait là, ça faisait très mal. Pour me mettre debout, il y a des jours où si je suis assis sur le tapis pour me mettre debout, mon mari venait me prendre par la main, il me met debout, pour me mettre debout. Il était là, chaque fois, en train de m'aider à me mettre debout parce que la hanche là était en train de se bloquer toujours. Mais un jour, un samedi, je me suis réveillée et on a entendu la prière de 7 heures. On a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, j'ai mis ma main sur la hanche. Après la prière, je me suis dit, bon, je vais d'abord me reposer. Quand je vais me reposer, c'est à ce moment-là que je sens que j'ai mal dans mes cuisses. Je dis, ah, j'ai maintenant mal dans la cuisse là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Avant, je n'avais pas ce mal. Quand je me suis réveillée, je n'avais pas ce mal là. D'où ça vient? Mais je me suis quand même allée me reposer. Comme je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, après la prière, j'ai mal à la cuisse. C'est comme si on m'a tapé, c'est comme si on m'a frappé avec du fer, je ne comprends pas. J'ai mal ici. Je l'ai montré. Il m'a dit, c'est après la prière. Moi, j'ai dit, oui, donc c'est. Et ta guérison, continue de prier avec. Or, j'avais oublié que j'avais mis ma main sur la hanche. Après, je me suis rappelé, ah, j'avais mis la main sur la hanche, donc c'est sur le mal-là qui s'est déplacé. Je vous dis, ce mal-là descendait, donc à chaque fois je priais avec ça, j'ai passé des jours à prier avec la même prière. Mais ce mal-là, ça descendait. Ça changeait de place. C'est passé dans mes genoux. Mal dans les genoux. Et puis, c'est descendu dans les mollets. Ça part. Ça vient là où il y a les talons. C'est descendu et puis c'est parti par les orteils. Ce mal est parti jusqu'à ce jour-là. Je n'ai plus ce mal-là. Dieu m'a guéri de ce mal-là. J'avais les douleurs partout. Quelquefois, j'avais mal au dos, j'avais les courbatures, j'avais mal aux pieds, donc j'avais des douleurs, des mal partout. Moi-même, je me demandais, à mon âge, j'ai même pas 40 ans, mais j'ai toujours des douleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Quelquefois, je me dis que ce sont les rhumatismes, mais vraiment, Dieu m'a guéri. J'avais aussi la chaleur dans mes pieds, donc souvent, c'était la nuit. Mes pieds là sont commencés à chauffer. Donc quand ça chauffe comme ça, c'est comme si j'ai même mis mes pieds sur une plaque chauffante. Ça chauffait, je me disais, mais ça c'est quoi encore? Pourquoi mes pieds là ça chauffe comme ça là? Pourquoi ça chauffe? Donc pour me mettre à l'aise, quelquefois je prenais de l'eau, je mouille mes pieds avec de l'eau. Quand je mouille mes pieds avec de l'eau, je me sens vraiment bien. Donc, je me sens soulagée. Vraiment, Dieu m'a guéri de beaucoup de choses. Depuis que j'ai commencé à prier, tout ça là, je ne ressens plus ça. Même ma petite sœur que j'ai adoptée, elle, quand elle est arrivée chez moi, elle ne dormait pas. La nuit, elle ne dort pas. Elle est là en train de bagarrer la nuit, en train de chamailler avec qui je sais pas la nuit. Donc, en plus, elle était somnambule. Elle sort de la chambre, elle va. Donc, elle vient se retrouver au salon, les yeux
comme ça là. Moi, je dis, ah, mais l'enfant là, quoi? Avant, je savais pas, mais l'enfant là, quoi? J'ai dit, ah, elle est somnambule. Dans la nuit, elle se bat, elle dispute les discussions bizarres la nuit. Mais grâce à Kanguka, elle ne fait plus ça. Grâce à la prière de Kanguka, je l'ai même dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit que, oh, depuis que, quand j'étais chez maman là-bas, je faisais ça. Donc, quand on dormait, eux bloquaient la porte partout pour que je ne puisse pas partir dehors. Moi, j'ai dit, on va prier. On a commencé à prier avec Kanguka, je vous dis. Maintenant, elle dort paisiblement, elle ne sort plus, elle n'est plus somnambule. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va encore faire. Dieu est bon, il est amour. Je bénis le serviteur de Dieu. Que Dieu vous comble encore de ses merveilles. Qu'il soit votre force. Je bénis votre famille, votre entourage, le groupe d'intercesseurs. Je les bénis. Que Dieu soit votre partage. Que Dieu vous accompagne. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je venais ce soir pour dire tous les bienfaits que le Seigneur fait dans ma vie. J'écoutais Kanguka de ce samedi et j'avais prié en demandant au Seigneur de me guérir car j'avais un problème pour digérer les aliments. Et tous les soirs, j'avais toujours du mal. Quand je mangeais, j'avais la nourriture qui restait entre mon estomac, entre mon ventre et mon estomac. Du coup, j'ai prié au Seigneur et je lui ai dit, s'il me guérit, j'attendrai jusqu'à lundi. Si tout se passe bien, je ferai mon témoignage. Et gloire à Dieu. Il a écouté ma prière et il m'a guéri. Et je peux vous dire que depuis le jour même, je sentais aussi mon bas-ventre qui me faisait mal quand je faisais la prière. Et j'ai eu une guérison instantanée pour mon bas-ventre et aussi pour mon ventre. Je sentais que j'avais des ballonnements. Et ces ballonnements ont disparu. Maintenant, j'arrive à manger la nuit tranquillement, sans pour autant avoir des problèmes de digestion. Je remercie le Seigneur. Gloire à lui, à sa puissance. Merci à l'équipe de Kanguka. Kanguka a vraiment changé ma vie. Avant, je m'énervais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, j'ai la paix intérieure. J'ai Christ en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Ma vie a beaucoup changé. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie. Et tout ça, c'est grâce à Kanguka. Kanguka a aussi changé ma façon de prier. Je prie maintenant tous les jours avant de sortir de chez moi. Avant de me coucher, je prends le temps pour parler à notre Dieu, pour le louer, pour l'adorer, pour parler de sa grandeur et de sa gloire. Merci à l'équipe de Kanguka. Christ, que Dieu puisse l'accompagner tous les jours, qu'il le protège, qu'il protège sa famille. Je bénis aussi ses partenaires, je bénis toute son équipe. Que la gloire du Seigneur soit avec vous. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes frères et sœurs. Ce soir, je veux rendre gloire au Dieu d'Israël et je veux lui dire merci. Franchement, je vous dis merci. Mon témoignage, c'est que depuis combien d'années, j'étais constipée. J'étais tellement constipée, je ne sais pas. Même quand je veux aller à la selle, j'ai du mal. Quand je rentre dans la douche comme ça, là, je dure là-bas, je reste là-bas parce que j'ai du mal à aller à la scène. Franchement, mon anus était sorti, vilain à voir. Mais aujourd'hui, par la prière de Christ, par ses témoignages, franchement, mon anus est rentré tranquillement. Je suis plus constipée. Avant ça, j'ai craché
et je fais la diarrhée. Mon ventre me fait poto. Et puis je suis allée à la selle. Sinon, je faisais, j'étais constipée jusqu'à même, je faisais 100. Souvent, même, il fait petit de du. Et après, je fais 100. Et de ça, vraiment, Dieu m'a guéri de ça. Je veux lui rendre toute la gloire. Je dis merci à Dieu pour la vie de Christ. Qu'il le bénit abondamment. Enfin, que Dieu même lui donne la force à sa femme, le courage, la santé à ses enfants. Groupe d'intercession, vraiment que Dieu vous bénit abondamment pour ces merveilles que vous faites. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Mon deuxième témoignage. Ce matin, je me suis réveillée, je n'avais rien du tout, rien. Après quelques minutes, je vois mon bras me faisait mal et la douleur descendait comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Dans mon cœur là-bas, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'essaie de secouer mon bras, je n'arrive pas, ça fait mal. Je suis rentrée dans la maison, j'ai mis Kamuka, j'ai commencé à prier. Je retourne à l'envoyer que je reçois la guérison. J'ai dit, quand j'ai fini la prière comme ça, je vous assure, le mal a disparu. Le mal a disparu. À l'heure où je vous parle, je n'ai plus mal. Donc, je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire, mes frères et sœurs, vraiment, attachez-vous à Dieu. Car il est celui, tu as la solution. Il est celui, tu vois le pied noir, tu es dans le noir. Vraiment, on n'a qu'à se donner à Dieu en fond. Car il est le seul secours. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.